tourne là, ça tourne. Comme vous pouvez le constater, cette moto est branchée au secteur, puisqu'il s'agit d'une moto électrique de marque Zero Motorcycles, marque américaine. Donc une des rares marques en fait de moto américaine sur le marché. Voilà, donc là, elle est branchée sur une prise secteur complètement conventionnelle, même si au-dessus il y a une wallbox qui est pour mon véhicule électrique qu'on aperçoit dans le fond. Donc c'est une moto de type trail avec un moteur qui développe combien? 67 chevaux hein, je crois. 67. Parce que c'est le modèle 2016, c'était 54 sur la version précédente. Mais ne vous y fiez pas, le couple est terrible. Comme sur tous les véhicules électriques, alors on voit le moteur qui tient pas énormément de place. Un mono-amortisseur, voilà. Ce qui tient beaucoup de place finalement, c'est la batterie dans l'électrique. Voilà, le tableau de bord. C'est lisible avec le pourcentage de batterie à gauche. On a encore pris 1%, tu vois. On a pris encore 1%. Et puis pour les adeptes du smartphone, on peut tout paramétrer et visualiser sur son smartphone. Un peu comme sur les Nissan Leaf avec CarWings. Voilà. Il manque que l'autoradio finalement. Voilà, on peut paramétrer la régénération au freinage, l'accélération, la vitesse maximale. Et on peut voir combien on a fait de kilomètres, etc. Voilà.